On veut comme tout. On veut comme tout. Comme tout notre président, comme tout. So, le peuple t'a choisi. Oh. Comme tout notre président. Comme tout notre président. Le peuple t'a choisi. Emalé, Emalé. Hey. Ah, ça, ça a tué. Aïe, 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 aïe. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment, j'ai même oublié que Facebook m'a bloqué. Ouais. Même Facebook, si... Je dis, hein, les gars, Facebook, s'il veut quoi, hein? Le peuple t'a choisi. Voilà, ça tombe déjà bien. On veut comme tout. Président, président. On veut comme tout. Attends, je m'assure d'abord que ça passe bien là. Voilà, ça passe bien. Hey, hey. Comme tout notre président, le peuple t'a choisi. Comme tout notre président, comme tout. Attends, je m'en. Hey! Comme tout notre président, comme tout notre président, comme tout notre président, le peuple t'a choisi. Comme tout notre président. Voilà! Partagez-moi la chose! Partagez-moi, partagez-moi, partagez-moi ça! Balancez-moi ça partout comme balancez-moi ça partout comme les arachides. Je salue ici déjà Regina, je salue la matière du quoi, je salue. Voilà, Nat, Ridou, balancez-moi ça dans tous les groupes. Je demande le volume. Le volume est bon. Volume. Volume. Salut, salut, salut Karine, Vivian, Richaud, salut, salut, partagez rapidement, et ça va se savoir ce soir, voilà, ça va bombarder, c'est un coup de tonnerre, c'est du tsunami, voilà, je commence à lancer, il y a les mots que je dois utiliser, vous connaissez, non? Hey, quand on notre président, quand on... Ça énerve quelqu'un, la personne saute. Il t'a l'enlève. Enfin. Oh, ma tête t'a chauffé. Ça sont les jours que je suis fier. Ça sont des jours que je suis fier. Et là. Et la fierté là, c'est au fond de mon cœur. Voilà. À partir de 500, on va lancer. Vous partagez rapidement. J'enlève même la montre ici. On veut canto. Oh. On veut canto. Oh. On veut canto. Bon, je vais commencer un peu plus tard. Voilà. Canto notre pose. Quand on notre président, le peuple t'a choisi. Quand on notre président, quand on notre président, le peuple t'a choisi. Quand on notre président, oh, on veut canto.
ne dois pas meubler mon life avec la musique. Je sais qu'il y a certains là qui sont assis, ils attendent que ma tentation se lève et tourne les rênes. Non les gars, on a eu assez dansé, un autre jour va arriver. Pour l'instant, si là, on s'occupe d'abord, n'est-ce pas, de ce qui est important pour nous. Je dois d'abord arrêter là parce que j'ai ouvert WhatsApp sur mon ordinateur. Et puis voilà, les gens vont m'écrire, ils attendent tout quand je suis en live. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour d'après votre position géographique. Et bienvenue chez Martin Tajo officiel. Quelqu'un avait dit que lorsqu'on veut parler, il faut d'abord un peu boire de l'eau. Donc, c'est très important. Je salue ce soir cordialement les sous-marins. Parce que lorsque j'ai commencé le live, ce matin en annonçant, n'est-ce pas, ce live du soir, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Martin Tajo, c'est comment? Il faut parfois aussi saluer les sous-marins, non? Je salue donc d'abord les sous-marins. Je salue le sous-marin Joseph Vess alias Atanganji qui utilise les papiers, les faux papiers de son frère pour venir ici. Je salue également Simon Obisic. Je salue les sous-marins alias Bimbondo 37 qui a transformé le palais d'Etoudi en maison de retraite. Je salue également un sous-marin alias 36 000 francs CFA le SMIC qui a aussi un mauvais profil, un pseudo profil et il nous écoute avec. Voilà, et bien entendu, sans oublier, voilà, de saluer le reste du monde entier. Mesdames et messieurs, chers camarades, avant de commencer, je voudrais vous dire que après ce live, vous allez vous connecter directement chez la Twins. Elle sera en live à partir de 22h, donc directement après moi. N'oubliez pas cela, le même nombre qui est ici, vous allez aller suivre la Twins. Vous continuez de partager, voilà, je ne dois pas venir en live danser. Vous connaissez l'objet qui nous réunit ici ce soir, c'est la descente du président Maurice Kamto en France. L'objet qui nous réunit ici ce soir, c'est le passage dévastateur du président Kamto à Paris à partir du 1er ou bien principalement le 1er février 2020, n'est-ce pas? Et on va retenir, ok, une notion très essentielle ce soir, le rapport de force. Je dis bien le rapport de force. Voilà la notion que j'ai voulu lancer pour commencer le live. C'est quoi le rapport de force? Le rapport de force consiste à vous faire comprendre que le passage du président Maurice Kamto en France va mettre sur pied, va en tout cas nous permettre de dégager trois aspects clés. Un, le président Maurice Kamto va fouler le sol de la France le 1er février alors que nous savons bien qu'il y a une souillure électorale qui va s'organiser au Cameroun le 9 février. Ça dit déjà beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses d'autant plus que on ne doit parler que de cet événement et on ne doit pas parler des élections. Parce que nous avons dit qu'on doit boycotter ça. Donc ça, c'est un premier aspect. Personne ne viendra parler des élections. On ne doit parler que de la visite du président Maurice Kamto. On ne doit parler que de son arrivée en France. Donc il va une fois de plus tenir la météo politique au Cameroun. Il va une fois de plus dicter l'agenda politique au Cameroun. Quelqu'un doute que c'est le président Maurice Kamto qui dit de ce que l'atmosphère politique doit être au Cameroun? Quelqu'un doute que c'est le président Maurice Kamto, le président légitimement et démocratiquement élu du peuple camerounais, qui dresse l'agenda? C'est lui qui normalement compile maintenant la scène sociopolitique au Cameroun. Qui doute ça? Celui qui doute ça, je vais apporter l'hypothèse du contraire, parce que désormais, c'est la force de l'intelligence, c'est le poids des arguments qui doivent prévaloir. Ok? Je vais vous démontrer. Ça, c'était un premier aspect. Donc, un, lorsqu'il arrive le 1er février, déjà d'ici, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 1er février, on ne doit parler que des élections. On ne doit parler que du président Maurice Kamto. Donc l'élection est morte complètement. Ça, c'est deux. De deux, je parle également du rapport de force. D'autant plus que, je vais définir après, mais je donne les aspects. D'autant plus que M. Biya était déjà une fois à Paris. M. Biya était à Paris plusieurs fois. Et la dernière fois, il est allé vendre l'image du Cameroun. Pour parler un faux anglais, je ne sais pas d'où ça sort. Ces militants ont essayé un peu de justifier en disant qu'il y a plusieurs anglais. Bon, je ne veux pas savoir. Bon, il avait quand même eu la chance, ok, que la présidente, ou c'était la secrétaire de la francophonie, a réussi quand même à traduire les mots de mots Ibrahim, à traduire l'anglais des mots Ibrahim pour que le satrape puisse savoir. Ok? Mais ce n'était pas là le point. Ça, c'était une parenthèse. Comme il était en France, vous avez vu qu'il est passé presque inaperçu. Il fallait ce scandale, cette comédie, cet humour que M. Biya a fait pour que on sache au moins qu'il y avait quelqu'un là-bas. Mais il a sali le Cameroun. Mais ce qu'il va vous dire, c'est que le président Maurice Kamto arrive maintenant aussi où? À Paris. Le président Maurice Kamto arrive à Paris où M. Biya est passé. C'est donc
À partir de cet instant, que vous comprenez pourquoi j'ai parlé du rapport de force. Donc, le peuple camerounais, j'ai parfois l'habitude de dire du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. En tout cas, tous les quatre points cardinaux, j'évoque en parlant lorsque je parle du président du peuple camerounais. Parce que tout le peuple camerounais l'a élu. Tout le peuple a élu ce président. Et donc, le même peuple dans sa diaspora, c'est-à-dire la diaspora d'Europe, la diaspora des États-Unis, la diaspora d'Asie, tous les cinq continents du monde, la population diasporienne va converger vers Paris. Et puis, il y a un mot qui va vous dire, la prédilection. Donc, Paris sera le point de prédilection de tous les enfants africains, ok, pour aller là-bas rencontrer un seul leader générationnel, un seul leader qui a décidé de prendre sur lui, ok, le destin du Cameroun et de le conduire, ok, à bonne échéance. C'est le président Maurice Kamto. Vous doutez encore? Vous doutez? Vous doutez qu'à Paris, nous serons 1 million le 1er février? Qui doute? Qui doute? Qui doute sur la force de la mobilisation du peuple camerounais? Qui doute? Lorsque nous montons au créneau pour vous dire qu'il y a un événement d'une telle envergure internationale qui va se passer en France, qui doute cela? C'est l'occasion pour vous de venir en masse et en cascade. C'est l'occasion pour vous, tous ceux qui ont dit « Ouais, le président élu, le président Maurice Kamto. » Oui, voilà l'occasion pour vous de venir lui prouver que non. Président, nous là, on t'avait élu. Ils ont volé les voix, mais on t'avait élu. Voilà l'occasion. Quelqu'un dit « On s'en fout directement, je te bloque très bien. » Alors, Salom, je te fabrique d'abord en appelant ton nom dans mon live parce que je n'appelle pas les cancres. Vous venez incarner la cancrétude dans mon live. Bon, je t'enlève d'abord. Ça, c'est une chose. Je te donne. J'étais sur le deuxième aspect. Donc, j'ai parlé du rapport de force. Et vous partagez. OK? On a assez à dire. Je parlais du rapport de force. Et on a évoqué le premier point. OK? D'abord, les deux dates qui coïncident en quelque sorte, juste à intercaler entre quelques jours. Et donc, le président Maurice Kamto va dresser l'atmosphère. Deuxième aspect, c'est le rapport, du rapport de force. C'est le fait qu'il va venir une fois de plus et on va démontrer que non. Ah, monsieur bien passé avant toi, mais avec toi, on va voir, montrer à l'opinion du monde qui est donc le vrai président du monde entier. Et on va voir la force de la mobilisation. La force de la mobilisation. Ça, c'est le deuxième aspect. Il y a un autre aspect que je voudrais évoquer avec vous. C'est que, peut-être que je l'ai dit, toute la diaspora camerounaise ira là-bas. Toute la diaspora camerounaise ira en France. Ce n'est pas seulement à Paris. Lorsqu'il dit qu'il va arriver à Paris, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des Parisiens qui vont y arriver. Non. Lorsqu'il va dire qu'il va aller en France, ce n'est pas qu'il n'y a que les Français qui vont y aller. Non. C'est toute la diaspora du Cameroun à l'extérieur qui va y aller. Donc ce n'est pas seulement la France. L'Allemagne sera présente. La Suisse sera en France. L'Italie sera en France. La Belgique sera en France. Je suis désolé, l'Espagne sera en France. Et n'oubliez pas, il y a une autre possibilité, c'est que même, puisque désormais le combat camerounais est devenu le combat africain, parce que nous avons le même combat partout, les autres activistes, même gabonais ou sénégalais, peuvent sortir. Parce que n'oubliez pas qu'en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, on sait bien que le président qui a été élu au Cameroun, c'est le président Maurice Kamto. Donc il y a là, et tous ceux-là veulent le voir. Ils n'ont pas encore eu l'occasion, au-delà de voir les photos. Donc ce sera encore une autre possibilité pour eux de venir voir le leader là qui secoue le Cameroun et dresse. En tout cas, étienne la météo, l'agenda politique au niveau du Cameroun. Ils seront là. Mais cela ne peut se passer que par la force de notre mobilisation. Et vous doutez sur notre force de mobilisation? Ce que j'ai dit là, est-ce que j'invente? Ça sort ici, non? Je n'invente pas, les gars. Ça sort ici parce que c'est la vérité. Je vous ai dit ce matin, quand j'annonçais ce live, que lorsqu'on veut dire la vérité, on n'a pas besoin des heures. La preuve en est, je vais arrêter à 22 heures. On n'a pas besoin des heures pour dire la vérité. On a besoin de quelques secondes. Mais quand on veut mentir, quand on sait que ce qu'on dit est faux, on passe le temps à chercher les expressions pour contourner. Mais ce que je suis en train de vous dire, on est d'accord que le 7 octobre 2018, la victoire du président Maurice Kamto a été volée par le trio Conseil constitutionnel ENECAM RDPC et a été octroyée, c'est-à-dire donnée frauduleusement, malhonnêtement, maladroitement à un président dont la légitimité a été remise en cause depuis 1990. Et donc, en 2018, le président Kamto a dit que bon, quand vous avez volé, je ne dois pas laisser ça. Et c'est ça qui, c'est la continuité, n'est-ce pas, de cette revendication jusqu'à aujourd'hui. Et donc, mesdames et messieurs, chers camarades, c'est une occasion pour nous de nous y rendre. Ça, c'était le troisième aspect. On n'a encore rien dit.
Il y a un quatrième aspect qui consiste en quelque sorte à prouver. Attendez, je prends un peu de l'eau. Très important. Il y a un combattant, n'est-ce pas, notre grand frère du côté des États-Unis qui a dit que quand on parlait du Cameroun, il faut toujours un peu boire de l'eau. Donc c'est pour ça que je prends un peu quelques gorgées et puis on va continuer. Je pense qu'il va nous falloir même tout un stade. Donc il faut que les organisateurs, ok? Il faut que les organisateurs, je pense que c'est l'OMRC qui doit être au cœur de l'organisation puisqu'il vient rencontrer toute la diaspora. Ce n'est pas un combat d'une organisation ou bien d'une association. Bon, ceux qui sont au cœur de l'organisation, ils vont prendre les dispositions. Parce que ce qui va se passer à Paris, ce n'est que du venez voir et aller dire. Donc, il ne faut pas que quelqu'un s'absente pour dire après qu'il n'aurait pas fallu qu'il s'absentasse. Je recommence. Il ne faut pas que quelqu'un soit absent pour dire après que, ouais, lorsqu'il va voir les images et ce qui s'est passé là-bas, dit que, ouais, il n'aurait pas fallu que je m'absentasse. Vous savez, c'est quel temps, non? L'imparfait du subjonctif. Voilà. Donc, c'est un peu ça. En même temps, on apprend un peu le français. Je vous avais dit que même quand on est littéraire, même quand on est scientifique, il faut parfois un peu s'associer l'esprit littéraire et à contrario. Non. Voilà. Et vice versa. C'est-à-dire, même si on est littéraire, il faut aussi s'associer un peu l'esprit scientifique. Tout ça, c'est la connaissance générale. Bon, c'est une parenthèse. Donc, en clair, le quatrième aspect que je voudrais évoquer ce soir consiste à dire que la mobilisation... Mais les gars, vous n'avez pas partagé ce live. Vous n'avez pas... Le matin à 11h, vous ne pouvez pas annoncer qu'on est à 800 et le soir, on est à 600. C'est impossible. Partagez encore une fois. Relancez. Lancez encore une fois. Balancez encore une fois dans la toile. C'est très sincère. Là, on est en train de mobiliser pour le président élu. Attention, les gars. Ne me faites pas craindre. Ne me faites pas quand même craindre. Donc, c'est une chose. Le quatrième aspect que je voudrais évoquer concerne les médias. Ok? En tout cas, cet aspect a deux points. Les médias et puis un message qu'on va passer à Macron. Parce qu'en passant un message à Macron, Macron va comprendre que non. Celui qu'il est en train de supporter au niveau du Cameroun, en clair, c'était un dictateur. Macron, Emmanuel Macron. D'ailleurs, qui est allé en Côte d'Ivoire tenter, n'est-ce pas, d'imposer encore une nouvelle monnaie que j'ai appelée bonnet blanc, blanc, bonnet. Je n'ai pas pu encore faire une analyse sur ça parce que les problèmes du Cameroun voilà, m'occupaient tellement. Mais on aura le temps. Cet écho-là, qui n'est que le petit frère, le grand frère du franc CFA, Macron, c'est lui qui détient les dictateurs. Donc on va passer un message à Macron que non, les dictateurs que tu soutiens en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, là, non, le peuple a déjà vomi ces dictateurs depuis longtemps. Il y a un déphasage. Il y a un mur, quand il y a déphasage, c'est-à-dire qu'il y a un point de démarcation réel entre ce peuple-là et ce dictateur-là. Le peuple a vomi tous ces dictateurs. Ces dictateurs ne valent plus rien aux yeux du peuple. Pour nous, c'est des bêtises, c'est la poubelle, ils n'existaient plus. Le logiciel est grillé. Tout ce qu'ils font ne coïncide plus avec le temps actuel. Le monde a évolué et donc ils ont encore un logiciel qui sillonne, un logiciel qui réfléchit à 1960. Pourtant, aujourd'hui, le monde évolue de façon exponentielle. Avec l'Internet, tout ce qui est possible. La donne a changé, le contexte a changé. Et donc, la nouvelle génération veut développer le Cameroun avec des nouveaux enjeux que ceux avec un mémoire déjà fatigué ne peuvent plus. Ils ne sont même pas en accointance avec la réalité actuelle. Donc, M. Macron, lui qui appartient à la nouvelle génération, est en train de supporter des dictateurs. On va l'envoyer un message pour qu'il comprenne que réellement au Cameroun, on n'a jamais élu M. Bien. Monsieur Bien n'a jamais été élu au Cameroun. Et donc, je sais qu'en prononçant comme ça, Facebook est désormais là pour nous bloquer. Mais bon, on s'en fout. C'est un message qu'on va passer. Un message. Et à côté de ce message qu'on va passer à Monsieur Emmanuel Macron, pour qu'il sache que Bien n'est pas le président du Cameroun, il y a un autre message. Ce message s'adresse à la presse. Je pense qu'il va nous falloir, ok, rencontrer la presse. La presse internationale doit couvrir l'événement. La presse doit être là. La presse doit être présente pour que, une fois de plus, que ce soit France 24, que ce soit, je ne sais pas, toutes ces télévisions françaises-là, qu'ils sachent que, pour une fois, il y a un événement d'une envergure que la France n'a pas connu sur son sol depuis... En tout cas, l'avènement de l'État camerounais. Je pense que l'État, le Cameroun existe en tant qu'État depuis 1884, notamment après la signature des accords, ok, Germano-Camerounais. Et voilà, avec les chefs
Bell et tous les autres. C'est à partir de là que le Cameroun a acquis le statut d'un État, je pense bien si ma mémoire ne me trompe pas. Et donc, depuis que le Cameroun existe en tant qu'État, personne, même avant, aucun leader politique au Cameroun n'a pu mobiliser au niveau de l'étranger tel que nous l'avons vu. Ok, le 18, c'était à Paris. Mais cette fois-ci, ça va être tout autre chose. C'est le double, le triple. Donc, le nombre que vous avez vu, multipliez ça. Et donc, la presse qui va venir couvrir ces événements va comprendre que, ben, on n'a jamais vu ça en France. Ce sera un message fort lancé au niveau de la communauté internationale pour qu'ils comprennent que désormais, même leurs partenaires avec qui ils changent ne sont plus actuels. Je vous rappelle que il y a Calibri, le combattant Calibri qui d'avoir appelé tout à l'heure. Mais je... Voilà. Je continue en attendant. Je voudrais venir à autre chose. Vous savez que l'Union européenne a demandé la révision du code électoral. Personne n'a rien fait. L'Union africaine a demandé la révision du code électoral. Rien. Le Congrès américain a exigé, ok, la réforme du système électoral. Rien n'a été fait. Le peuple camerounais a réclamé. Rien n'a été fait. Mais à contrario, vous avez organisé, vous avez fait un forcing pour aller organiser les élections. Les ministres, les parlementaires ont validé cette, ont validé cette loi. Ils ont validé aussi, n'est-ce pas, ce processus électoral. Tout le monde, la plupart des pseudo-partis, ok, et de ceux qui ne se battent plus pour le destin des Camerounais, ont accepté marcher dans le sang des Camerounais pour y arriver. Monsieur Biya a fait un forcing. Et voilà, nous allons, avec cet événement, leur prouver que zéro, les Camerounais sont au boycott total. Ça ne leur concerne même pas. Ils n'ont rien à voir avec cette élection. Rien du tout. Et vous allez comprendre que la donne a changé. Voilà. Monsieur Biya, il y a une chose que je voulais rappeler. Il y a la possibilité qu'il force même. Il profite de cela pour voyager. Vous vous rappelez lorsqu'il y avait une... on a organisé dans le passé Game Over, je pense bien. Il avait fait un forcing pour voyager au niveau de la Suisse. Et donc, ils sont très stratèges dans ce domaine. Sauf que leur stratégie-là est tellement confidentielle que pour finir, nous, on connaît toujours. C'est-à-dire qu'ils ont tellement, ils gardent tellement de confidentialité que pour finir, c'est toujours dehors. Donc, j'en attire aussi l'attention des uns et des autres de rester tout de même vigilants. Parce qu'ils peuvent bien profiter pour organiser, ok, un voyage. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Donc, monsieur Bip Vandor peut carrément profiter. C'est que c'est un week-end que toute la diaspora sera mobilisée au niveau de la France pour faire un forcing et organiser, n'est-ce pas, un voyage. Mais jusque-là, je le rappelle que les services de renseignement de la diaspora sont plus rapides. Ils ont une vitesse supersonique. Je vous ai dit hier que la vie... bon, avant de continuer, je vois Calibri qui m'appelle là. Je vais d'abord valider. Voilà. Voilà, c'est en vidéo. Salut, salut Calibri, le combattant. Allô? 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 Tu m'écoutes? Bonsoir, Martin. Oui, bonsoir, 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 Calibri. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, comment tu vas, Martin? Non, ça va, je me porte bien à merveille. Allô? Oui, Calibri. On t'écoute. Voilà. Martin, bonsoir. Bonsoir pour... c'est avec un immense plaisir, Martin, que je me présente sur ta plateforme MTO officielle. Ouais. C'est juste dans le cadre de ce marathon de direct. Mmh. C'est dans le cadre de cette mobilisation. Et Martin, permets-moi de te dire, hein, avant de continuer mon propos, que si Biya, Vondor Barthélémy, alias Satan, comme dit notre précieux frère Joko, tente un seul instant de dire que parce que les Camerounais vont se mobiliser le 1er février, oui. N'est-ce pas, pour élire le président élu, et qu'il va croire qu'il peut, n'est-ce pas, arriver en France ou en Europe ou n'importe où. C'est là où il va comprendre pourquoi il n'y a pas S à beaucoup. Mmh. Parce qu'il va voir ce qu'il n'a jamais vu de toute sa vie. Et je crois que ce serait l'occasion de capturer cet homme. Bon, il ne rêve même pas un instant. Et tu as bien dit, il a profité du Game of pour venir
en Suisse. Et avant qu'il ne vienne, nous le savions déjà, on savait qu'il allait venir. Et il a vu ce qu'il a voulu voir. S'il essaye, il verra. Martin Tadjo, du côté de l'Allemagne, je connais qui tu es. Je connais qui est Valdez et Djoko. Je connais qui sont les autres combattants. Je connais votre capacité de mobilisation, je n'en doute pas. Et vous avez l'obligation, comme nous autres, comme toute cette diaspora-là, de faire en sorte que cet événement soit un événement planétaire. Il faut que nous rassemblons le maximum des personnes à Paris de premier. Le président élu, son excellence, M. Maurice Kamto, a décidé d'être aux côtés de la diaspora. Ouais. Et cette diaspora-là doit rendre présent, présente le 1er février à Paris. C'est un événement qui n'appartient à aucune entité. C'est un événement qui n'appartient à aucun groupe. Aucune personne ne peut se prévaloir l'organisation de cet événement. C'est un événement qui appartient au peuple camerounais. Monsieur le président élu de la République du Cameroun vient rencontrer la diaspora et non une entité quelconque. Super. Il vient, c'est le MRC qui l'organise. Mais nous, de la diaspora, nous avons décidé, chacun à son niveau, accompagner le MRC dans cette organisation-là. Pas en étant dans le staff organique, mais dans le staff de la mobilisation. Et le MRC ne peut pas nous empêcher, parce que le MRC ne contrôle pas Internet. Paul Biya ne contrôle pas Internet. Internet, il est pour tout le monde. Personne ne peut nous empêcher de mobiliser. À ce titre-là, nous mobilisons. Parce que nous avons aussi une voix qui compte. Les Camerounais nous font confiance. Mais il ne s'agit plus de cette confiance-là. Mettons d'abord cette confiance à côté. Mobilisons-nous vraiment. Il faut que cette visite du président élu soit salutaire pour nous. Et surtout pour la continuité du combat que nous menons. Nous ne dépendons pas du MRC. On va le dire tous les jours. Nous ne sommes pas alliés au MRC. Mais nous épousons l'idéologie de ce parti. Nous l'épousons. Qui au Cameroun ne veut pas avoir de l'eau chez lui? Qui au Cameroun ne veut pas avoir de l'électricité? Qui au Cameroun ne veut pas avoir des belles infrastructures, ne veut pas avoir des immeubles, ne veut pas voir le Cameroun émerger? Tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous voulons voir notre pays émerger avec des hommes nouveaux. Parce que depuis 60 ans, nous sommes dirigés par le même groupe, par la même caste. Et ça, nous disons non aujourd'hui. Regardez, les Camerounais, certains Camerounais, parce qu'aujourd'hui, les Camerounais sont conscients. Certains Camerounais sont très proliques quand il faut parler des problèmes ivoiriens. On a pire au Cameroun. On a un autre pire que Ouattara au Cameroun. Alors, le franc CFA, pour nous, quand on va installer le président élu au pouvoir, on va lui donner comme mandat de sortir de ce franc CFA-là. Pour le moment, notre bataille, ce n'est pas seulement le franc CFA. La première des batailles des Camerounais, c'est de faire partie de Bondo Batelemi alias Tab. Voilà notre combat. Si on fait partie de cet homme-là, et on va le faire partie, bien sûr, le Cameroun pourra renaître de ses cendres. Pas avant. C'est vrai. Le CFA ne nous intéresse pas. Ce qui se passe entre M. Guillaume Soro et M. le dictateur Ouattara, ce n'est pas notre problème. Laissons les Ivoiriens gérer leurs problèmes. Retournons au Cameroun, gérons notre problème. Où que vous soyez au Cameroun, vous avez l'obligation de gérer le problème du Cameroun. Mes frères, mobilisons-nous. On n'a pas deux choses à faire. Ce n'est que de nous mobiliser, de montrer à la communauté internationale, surtout parce que les Camerounais, on ne peut plus convaincre les Camerounais. Longuel l'a dit. Ce n'est pas aujourd'hui, Martin Tadjo. Je crois que tu as suivi cette vidéo. Où Longuel a dit que si on met une chaise, deux chaises, c'est vrai. Il a dit, oui. C'est pour... Il a dit que non, quand on met les deux là, quand on va parler, Calibri, c'est pourquoi on l'a arrêté, on l'a tapé. On savait bien, c'est pour ça.
Il a dit la vérité. La vérité blesse toujours. La vérité blesse les dictateurs. Cette vérité la blesse. Parce que cette vérité blesse. Mais ce n'est que la vérité. Bon, son excellence, M. Kamto n'a plus rien à prouver aux Camerounais. Les Camerounais savent qui il est. Les Camerounais l'ont fait confiance. Les Camerounais continuent à lui faire confiance. Maintenant, il faut que nous montrons à la communauté internationale de l'homme que les Camerounais ont choisi. Oui. Le Cameroun, c'est 26 millions de Camerounais. Il y a 3 millions de Camerounais qui sont allés voter. Et la majorité de ces 3 millions de Camerounais qui représentaient à ce moment-là les 26 millions de Camerounais, oui, ont choisi son excellence, M. Ah non, tu m'as fini. Continue. Je n'ai pas à négocier avec qui que ce soit. Nous voulons installer notre président et nous allons l'installer. Ça, 2020, c'est une année où nous allons frapper tout ça, tout azimut. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes devenus aveugles. Toutes les personnes qui sont liées de près ou de loin à ce régime tyrannique, vous allez nous raconter sur vos chemins. Parce que 2020, nous n'allons pas vous laisser tranquille. Quitte à nous faire expulser, nous allons être expulsés comme les autres, mais nous n'allons pas, je vous le dis, nous n'allons pas vous laisser continuer à marcher sur la tête des Camerounais comme vous le faites. Le Cameroun appartient à 26 millions de Camerounais et chaque Camerounais a une barre de ce Cameroun-là. En tant que Camerounais, je revendique et je revendiquerai jusqu'à ma dernière énergie ma part de ce morceau du Cameroun-là. Personne ne va me le voler. Je ne laisserai personne me le voler. Mes frères combattants, mes frères de la diaspora, parce que tout ce qui s'est passé, je dis bien tout ce qui s'est passé, que ce soit au niveau de la base, que ce soit au niveau des marches, ou où que ce soit, c'est vous. Si vous n'étiez jamais sorti chez vous, il n'y aurait pas eu cela. La base ne serait pas, n'aurait pas existé. Même si elle avait existé, elle n'aurait rien fait. C'est vous qui avez donné cette essence-là, cette force à cette base-là d'exister. Alors, mes frères, donnons aussi cette force, cette essence au professeur, au président élu de la République du Cameroun de continuer son combat, de se battre. Disons à cet homme, à ce visionnaire, qu'il a eu raison de ne pas aller aux élections. Oui, c'est vrai, M. Maurice Kamto a hypothéqué son avenir politique. Il aurait pu espérer avoir, et il aurait même eu un poste de maire, il aurait pu obtenir un poste de député, mais il a dit personne au MRC ne va avoir de scampontin. Nous nous battons pour le bien-être des Camerounais et pas pour nos postes à nous. Alors, encourageons cet homme à aller de l'avant parce qu'il en a aussi besoin de ces encouragements-là. Si, et il a dit, si ils ont été mentalement forts dans les prisons de Biya, c'est parce qu'ils ont la détermination des Camerounais. Ils ont vu le soutien des Camerounais. C'est ça qui leur a permis de rester forts. Vous avez suivi Abel Zonga quand il est sorti de prison. Il a dit, il remercie les enfants qui sont allés de l'autre côté. C'est de vous qui parle. Alors ces enfants-là, mobilisez-vous, mobilisons-nous pour dire à cet homme, papa Kamto, continue ton travail, va de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit. Exactement. Mes frères d'Espagne, mes frères de Bilbao, je connais, je ne discute même pas, vous, je ne discute même pas. Nino, je ne te discute même pas, je sais quelle est ta capacité, je sais quelles sont vos capacités avec les soeurs Lena à Lyon. Mes frères, la twist, je vais citer qui, je vais les citer. Tous ensemble, comme Rapido Design l'a dessiné, attachons ce coquille-là tous ensemble pour que ce coquille-là, le 1er février, on mange ce coquille-là ensemble. Attachons ça ensemble. On a besoin de 1 million de mains. Tout le monde, mais de tout le monde, pour que cette histoire, pour que cela entre dans l'histoire à tout le Cameroun. Merci, ma tête, Tadjo. De rien. Je connais ton équipe. Kero, Valdez, Toko. Tu connais. Attends, je vais citer qui, je vais laisser qui. Comment je vais même encore l'appeler? Le premier ministre, n'est-ce pas? Le ministre que nous avons en Allemagne, Tiff Dimeli. Je vais citer qui, je vais laisser qui. Mes frères,
on veut voir au moins 50 cas qui viennent de l'Allemagne. Vous connaissez comme c'est un poumon. Même en Europe, l'Allemagne, c'est le poumon. Alors, mettez-nous les cas. Et pour toutes les personnes, j'ai déjà des personnes qui m'ont contacté, qui ont des chambres chez elles. Si vous avez des chambres à disposition, contactez-nous. Ça nous permet de pouvoir positionner d'autres personnes qui auront besoin. J'ai au moins 3 personnes qui m'ont contacté après le direct de Max. Et je ne sais pas combien aussi ont contacté Max. Tout à l'heure, nous allons essayer de recouper ça avec la cellule logistique. On va voir déjà combien de personnes, combien de places nous avons. Mais je peux vous assurer qu'à l'heure actuelle, nous avons une quinzaine de places parce que les 3 personnes proposent chacune 3-4 places. Et peu importe où on va dormir, l'essentiel, c'est qu'on soit au chaud, qu'on soit en famille et que cela reste convivial. C'est le plus important. Même si on va dormir au salon, même si c'est dans une chambre, mais qu'on soit au chaud. Ce qui est sûr, c'est que nous allons nous assurer que les personnes que nous plaçons chez les gens, ces personnes-là auront un suivi. Nous allons vous apporter des petites commodités, c'est-à-dire de quoi manger, de quoi boire, et éventuellement, nous allons vous guider dans les moyens de transport au lieu du rassemblement. Nous avons déjà mis des équipes sur place et nous n'attendons que vous. Alors, n'hésitez pas à vous signaler. Où que vous soyez, que ce soit en Allemagne, hein, vous n'avez pas forcément besoin d'appeler Calibre ou Mars. Vous pouvez appeler Martin, vous pouvez appeler Djoko et tout, qui vont vous enregistrer et nous allons trouver comment vous héberger. N'ayez aucune crainte à ce sujet-là. Nous sommes en train de nous mobiliser. Nous avons déjà mis nos équipes sur pied. Et la fête va être grandiose. Merci Martin. De vive rien. La diaspora camerounaise, vive le Cameroun et vive le président élu, son excellence, Monsieur Maurice Kamto. Nous t'attendons. Papa Yayato. Merci Martin, bonne soirée. D'accord, merci. C'est moi qui te remercie, Calibri. Je t'en prie, Martin. Non, c'est moi qui te dis merci. Tu m'as permis de passer là. Et bonne soirée à tout le monde. Non, je ça va. Et j'écoute le direct parce que tu nous apprends beaucoup. Et je vous demande aussi, n'oubliez surtout pas de vous abonner. MTO, Martin Etadio officiel, c'est la plateforme qui peut. Salut Martin. D'accord, j'ai compris, Calibri. Merci beaucoup. Toi, tu es dangereux. Ok, j'ai compris. On fait comme ça. Merci beaucoup. Merci. Voilà, j'arrête rapidement. Pourquoi vous ne voyez pas mon numéro de téléphone? Parce que quand on vous appelle là, sur WhatsApp, il faut arrêter. Je pense que je serais obligé peut-être de ne plus prendre les gens aujourd'hui. J'ai arrêté. Le numéro que j'ai mis ici, j'ai bien voulu prendre les gens. J'ai bloqué sciemment. C'est le numéro qui est sur ma page. Donc, ne vous dérangez pas, ce n'est pas mon numéro privé. Mais quand je vois que j'ai la Twix, aïe, aïe, aïe. Vous connaissez la capacité, la force de frappe de cette dame, non? Vous connaissez la force de frappe de la Twins, non? Donc, quand elle monte au créneau, le ciel tremble. Elle va vous mettre ça dedans cette fois-ci. À partir de 22h, dès qu'elle va finir, bon, peut-être elle va voler un peu, 2, 3 ou 4 minutes. Mais en tout cas, voilà. Avant de continuer, pour terminer les 15 minutes qui restent, je voulais ici, là, vous partager mon Twitter. Je voulais vous laisser mon Twitter ici. Je voulais vous laisser, n'est-ce pas, mon compte Twitter. J'espère que ça s'est bien, voilà, ça a bien pris là, d'accord. D'accord, voilà mon compte Twitter que j'ai épinglé ici. Dans les 1000 personnes qui sont ici actuellement, après, vous cliquez sur ça, ça s'ouvre, vous vous abonnez sur mon compte Twitter. Parce qu'il y a des jours que nous voulons aller en live, mais on se rend compte que c'est bloqué, on ne peut rien faire. Il y a des moments, on me bloque pour 2 jours. Mais c'est seulement que je suis déjà décidé. Quand il bloque, je poste seulement. Quand il bloque, je poste seulement. Qui bloque, qui ne bloque pas, je poste. Même si c'est 2 personnes qui partagent, je poste. Parce que c'est ma plateforme, je ne peux rien faire. Ok? Je suis en train de censer mettre une 2e page sur pied. Mais avant ça, connectez-vous sur nos différentes pages. À Twitter, j'ai déjà presque 900 000 personnes abonnées. Mais là, ce ne sont pas les abonnés. C'est parce qu'ils étaient sur Twitter depuis. Même si je ne tweetais pas là-bas. Donc, pour l'instant, n'oubliez pas vraiment, n'oubliez pas. Cliquez et vous vous abonnez. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, en ce qui concerne le déplacement, comme Calibri était en train de dire, oui, les gens qui sont au niveau de l'Allemagne et qui ont des voitures, mettez à la disposition et que vous prenez aussi d'autres. Okay? Pour que ce soit un covoiturage, celui qui allait payer peut-être 100 euros aller-retour, okay? peut se retrouver en train de payer 50 euros, 40 euros, je ne sais pas, aller-retour. Si quelqu'un a mis sa voiture à disposition, okay? Ça c'est une chose. En ce qui concerne l'hébergement là-bas, oui, pour ceux qui vont là-bas, contactez. On va essayer, n'est-ce pas, de vous connecter avec l'équipe qui est sur pied là-bas. Et il y a également certains qui peuvent ne pas aller dormir, ne pas avoir la place, mais quitter ici. Payez juste l'aller et le retour. C'est-à-dire, vous payez.
Parce qu'on va, on va communiquer l'heure, l'heure. Là, on connaît, il y a la date, on sait que c'est Paris. Mais on va encore communiquer l'heure et l'adresse pour que lorsque vous venez, vous partez, vous directement là, vous pouvez réserver votre étiquette de telle façon dans une référence. Ok, ça va dépendre. On va faire que l'équipe de l'organisation va nous donner la référence nécessaire. Si c'est pour 5 heures, 6 heures ou 8 heures, l'équipe va nous dire. Ok, et on va communiquer. Visitez nos plateformes matin, midi, soir. On va vous donner les informations en temps réel. Quand on va ce sera dévastateur. Qui va inviter Nyangona? Et en passant, j'allais oublier le discours du président Maurice Kamto. Le discours du président Maurice Kamto. Le peuple attend son discours le 31 décembre. Peut-être je vais y revenir. Le peuple attend son discours. Voilà. Donc, et lorsqu'on dit que nous avons la capacité en Allemagne, je vous rappelle encore. Je vous ai dit que tous les événements qui seront d'une envergure ou qui s'inscriront dans la perspective, ok, d'éveil de conscience, des événements, j'y serai toujours, ok. Mais on n'est pas toujours obligé d'être membre d'une association. Mais quand Calbri le dit, ça veut dire quoi? Que ce n'est même pas seulement les activistes, ce n'est pas seulement les groupes, c'est toutes les organisations, les mouvements, les activistes, y compris tous ceux qui supportent le président Maurice Kamto. Parce qu'il ne vient pas rencontrer un groupe précis. Le président Kamto ne vient pas rencontrer une organisation. Il vient rencontrer ses gens, les gens qui le supportent, les Camerounais. Tous les Camerounais qui le supportent matin, midi, soir. Vous là. Matin, tard, je passe ce soir. 21h GMT tous les jours. Tous les jours, il met sa conscience en jeu pour éveiller les consciences. On dit, on fait comment? On fait comment? Le Cameroun va mal. On va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous dites, oui, matin, tard, c'est un bon boulot. Voilà donc celui que nous supportons. Voilà le leader de notre révolution. Voilà le leader, ok, de la résistance camerounaise dans son entièreté, dans sa totalité, qui vient de nous rencontrer à Paris. Mesdames et messieurs, chers camarades, allons là-bas tous. Tous. Bruno Fossi, tu as eu la marche, tu es tombé dans mon œil. Voilà, je te bloque comme ça, j'ai diminué une tête de mort de plus. Tu n'es pas plus mieux que les 1000 personnes qui sont en train de nous suivre. Vous avez suivi? La jalousie provient de l'incapacité. On disait souvent ça au collège. Voilà. Donc, c'est clair, hein? Parce que si nous supportons le président Maurice Kamto, c'est parce que tout le monde sait qu'il a le programme qui reste actuel. Il n'a pas un vieux programme qu'on appelle le libéralisme communautaire. Regardez le programme de quelqu'un. Depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont même pas pu update ça. Aujourd'hui, ils sont incapables de défendre ces programmes sur des plateaux de télévision. Mais j'allais oublier quelque chose aujourd'hui. Continuez de partager encore. On a encore 10 minutes. Il y a une chose que je voudrais dire. Dites à Joseph Vest, alias Atanganji, monsieur l'anarqueur, l'escroc, que en France, à Paris, les sous-préfets n'interdisent pas les mobilisations citoyennes. Dites à monsieur Atanganji qu'en France, c'est un pays qui respecte les droits de l'homme et les libertés fondamentales. C'est un pays qui respecte les libertés de manifestation, les libertés publiques. C'est un pays qui respecte les droits fondamentaux. Donc, les sous-préfets ne répriment pas les marches et ne répriment pas les manifestants. En France, on n'utilise pas les balles réelles pour tuer les gens. On ne fait pas ça en France. Donc, dites exactement ça à M. Atanganji. Que là, ce sera pareil, ce ne sera pas Yaoundé. Et on va voir donc la force de la mobilisation. Ah, ils sont là, ils sortent. Il y a une petite manifestation au Cameroun. Ils sortent les chars de guerre. On a l'impression que le Cameroun avait la guerre contre l'Irak, contre l'Afghanistan, contre l'Israël. Alors que tout ça à cause d'un seul homme, le président Maurice Kamto. Après, on dit qu'il peut mobiliser deux personnes. Regardez comment ceux qui ont tué Jésus se comportent. Regardez comment ceux qui ont tué Jésus, regardez comment les Judas se comportent. Au niveau du Cameroun, on sort les chars de guerre pour aller intimider le peuple. Comme après, directement le soir, on envoie quelques petites brebis galeuses et quelques oiseaux de mauvaise augure aller s'afficher dans la toile en ostentation, peindre la carrosserie. Président Facebook. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On vous dit que non, il n'a pas pu mobiliser. On sait bien, ils savent. La stratégie des polichinelles. N'importe quoi. Le peuple camerounais n'est pas bête. Nous sommes là pour dire la vérité. Et tant que Martin Tajou est là, tant que les activistes sont là, tant que nous sommes là, rien ne passera. Aucun autre mensonge ne passera. Le président Maurice Kamto a été légitimement et démocratiquement élu au Cameroun. La majorité populaire, le peuple camerounais a accordé la majorité absolue au président Maurice Kamto. Matin, tard, mon âme me parle, ma conscience me parle. Et puis, je vous avais donné un proverbe. Lorsqu'on traverse la savane sur le dos de l'éléphant, on n'a pas peur d'être mouillé par la rosée. Le Seigneur est notre berger. On ira jusqu'à la gare et on va défendre les libertés fondamentales du peuple camerounais. Celui qui est donc devant
et nous dit, c'est lui la tête donc de cette révolution, c'est le président Maurice Kamto qui nie ça. Lorsque dans un pays, vous voyez que tout le monde se dresse contre une personne, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est sérieux. Parce que les enfants ne jettent la pierre que sur un arbre fruitier. Si l'arbre ne produit pas de fruits, vous allez vous appesantir là, vous allez jeter la pierre. Pourquoi faire? Vous allez perdre votre énergie. Regardez, allez au village. Pendant les vacances, on passait les vacances au village, non? Vous voyez les enfants, non? Ils jetaient les pieds sur le manguier, non? Sur le goyavier. Pourquoi? Parce que ça produit la goyave, ça produit la mangue, non? On ne jette les pierres que sur un arbre fruitier. Ça, c'est une chose que je voudrais vous dire. Peut-être, je voudrais vous dire autre chose. Le 31 décembre, au moment où on attend le discours du président élu, en même temps, nous serons en train d'attendre que... On n'attend rien de M. Biya, mais on attend une seule chose. Que M. Biya signe sa démission. Je recommence. Le 31 décembre, on attend d'une part le discours du président élu, parce qu'il va venir nous nourrir, nous partager les pains spirituels. Hein? Il va nous partager les pains spirituels. Vous connaissez, il y a de qui je tire ce langage. Il faut vous inspirer des intellectuels. C'est très important pour pouvoir édifier les Camerounais. Bon, en tout cas, le président Maurice Kamto, il va nous partager les pains spirituels de l'intelligence, de l'éveil de conscience, le 31, soit. Pendant que M. Biya, tout le peuple, même si on ne peut pas regarder, on va attendre qu'il dise quoi? Qu'il nous dit qu'il a démissionné. Mais qu'il ne teste pas à faire le discours au moment que le président Maurice Kamto va faire le discours. Personne ne va le suivre. Ça, c'est une chose que je voudrais dire. Je prends un peu d'eau, ok? Et je demande à la Twins, vraiment, tu vas m'excuser à la Twins. Donc, je vais te couper, je vais te grignoter, même 10 minutes comme ça, là. Donc, voilà. Parce que chacun va travailler demain. C'est que tu vas vite faire ton live et arrêter. Mais je grignote encore quelques minutes. Tu peux commencer à 22h10, ok? Donc, ça, c'est une chose que je voudrais vous dire. Il faut que tout le monde soit à Paris. Tous les Camerounais. Je voudrais signifier que les gilets jaunes sont très peu. J'ai l'impression, je vois un peu les gens dire, les gilets jaunes sont nombreux. Mais vous avez vu Paris le 18 mai? Vous avez vu? Ça, c'était même juste, on va appeler ça quoi? Les prémices? Non, on va appeler ça, on va dire que c'était une manifestation en prélude hein, de la grande manifestation. Parce que cette manifestation, ça, là au moins, même encore, là, on sait que la brigade anti-Sanda était au cœur de la manifestation, au cœur de l'organisation. Mais cette fois-ci-là, mon ami, la base n'a rien à voir. La base n'a rien à voir. Les autres organisations n'ont rien à voir. Ils viennent juste aussi voir leur président. Donc, ils mobilisent juste parce qu'ils ont des plateformes, comme moi, comme tous les autres, comme tout le monde, comme tous ceux qui ont des plateformes, ils mobilisent parce qu'ils sont la voix des sans-voix. Donc, ça, c'est une mobilisation totale. Ça veut dire quoi? Ça va tripler, ça va quadripler, ça va quintripler. On va voir les gens au centuple au niveau du Paris, le 1er février 2020. Je salue Rabat Peace. Il n'est pas qu'en Krekali, Rabat Peace est un combattant depuis l'Afrique du Sud. J'avais mis sa musique sur ma page ici, là. Vous avez partagé plus de 2000 fois. Hein? Vous oubliez. Ah, normalement, quand je partage, là, je devais aussi promouvoir les blogueurs, partager la musique, ils gagnent quelque chose pour ça. Bon, c'est pour la sensibilisation. On ne vient pas dans la résistance ou bien en politique, pour ceux qui font politique, pour chercher de l'argent. Je salue le leader de la diaspora, William Jordan. Je te salue. Je te salue cordialement. Donc, c'est une chose que je voudrais vous dire. Les gilets jaunes n'ont rien à y voir. Quand le peuple camerounais s'énerve, ah, il faut oublier. Le tonnerre va gronder. Vous avez compris? Donc, ils vont voir avec les yeux. Venez voir et allez dire. Ok? Aïe, Kamto. Non, parfois, je vais porter plainte contre Kamto. Je vais vous dire pourquoi. Je vais porter plainte. Je porte plainte contre le président Maurice Kamto parce que depuis, il attendait quoi? Hein? Depuis 1982 que le peuple meurt, il attendait quoi? Pourquoi attendre juste 2018? S'il était là depuis, nous n'en serons pas là. Je ne serais peut-être même pas en Allemagne. On aurait eu les grandes universités au Cameroun. Il n'était pas obligé de venir prendre l'éducation du blanc. Ok? On aurait mis au Cameroun toutes les universités de référence. On aurait enseigné notre histoire partout au Cameroun et intégré nos intellectuels, les Bénédiens Diomolé, l'urgence de la pensée, les Massien Toa. On aurait introduit carrément. Mais alors, les gars, mais regardez un pays comme le Cameroun. Le Cameroun est le seul pays au monde où on interdit d'enseigner la pensée des intellectuels
Camerounais, Camerounais, on préfère importer, ok, importer le mensonge à l'étranger. Vous avez suivi ce que j'ai dit là? Faites attention lorsque vous êtes sur ma plateforme quand je vous parle. Je suis très sérieux. Très sérieux. Et je ne prononce jamais une phrase pour jouer comme ça. Le seul moment où je joue avec, on joue ensemble, c'est quand je danse pour introduire mon live. Après ça, c'est fini. Dès que je suis assis là, sur la chaise ici, c'est fini. Donc, ce que je dis est porteur de sens. Ça, c'est une chose que je voudrais dire. Voilà. Sur la question financière, excusez-moi. Hein. Je pense que le froid qui m'a un peu touché ce matin là, va déranger. Voilà. Là, c'est une chose. Donc, concernant maintenant la question financière, vous allez constater que lorsque M. Wim Wenders arrive à Paris, ils vont puiser dans les caisses de l'État, ils vont vider les fonds de l'État, aller payer les paresseux qui sont tapis à l'ombre là-bas en France et ne font rien et n'attendent que l'argent de l'État pour survivre. C'est la raison pour laquelle ils sont capables de tuer les Camerounais pour vivre. Et dit que Wim Wenders est un messie. Et on leur donne l'argent du pauvre contribuable camerounais. Ils bouffent sur la tête des morts les pommes sardines pour aller en quelques nombres. On peut compter du bout des doigts quelques dizaines de personnes pour aller l'accueillir. Ça, c'est du n'importe quoi. Mais nous, là, on va se déplacer nous-mêmes. Je quitte ici l'Allemagne. Je pars à Paris. Je paye mon ticket. Comme je suis en train de vous parler là, demain, je réserve déjà mon ticket avant. Avant, je partais à la voiture. Bon, ça avait coulé. Voilà, jusqu'à ce que j'ai une autre. Pour l'instant, je pars avec mon TGV. Donc, je vais réserver aujourd'hui. C'est dans un mois. Donc, pour tous ceux qui vont aller, quand vous réservez aujourd'hui là, vous payez exactement la moitié du prix. Le jour là, vous voyez même en première classe sans problème. Donc, vous réservez maintenant, vous réservez moins cher. Mesdames et messieurs, chers camarades, nous payons de notre propre poche. Et c'est ça l'engagement. L'engagement, on ne paye pas l'engagement. C'est une détermination personnelle. En tout cas, je peux parler avec vous comme ça jusqu'au lendemain. Vous ignorez. Vous ignorez. Ça se passe ici. L'efficacité, c'est dans la tête. Je veux que vous mettez ça pour qu'on termine. L'efficacité, Camden Sylvie, salut. Non, j'ai déjà terminé. Je ne veux pas tirer le temps de la Twins. Vous savez que notre Twins, elle va aller. Notre Twins d'ailleurs, hein? Qui est Betty, hein? Je parle au pseudo tribaliste là. Le tribaliste n'existe pas. C'est un instrument inventé par les médiocres et les autocrates du système dans l'optique de diviser le peuple camerounais afin de conserver leur pouvoir illégitime. Je recommence. Le tribalisme est un instrument inventé par les médiocres et les autocrates du pouvoir dans l'optique de diviser les peuples camerounais afin de préserver et pérenniser le pouvoir dont ils n'ont jamais acquis la légitimité populaire. Vous avez suivi quand il dit comme ça là. Les brebis galeux qui supportent Wim Wenders, ils vont attraper la crise cardiaque. Vous savez qu'on ne peut pas répondre, non? Parce qu'il ne faut pas perdre le temps pour ces gens. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas... Les gars, vous comprenez, non? Hein? On ne descend pas comme ça. Vous avez confiance, non? Le peuple est debout. La République est debout. La République marche debout. Debout comme ça. Mais ceux-là, ils auront l'autoconscience. Si, ils auront... je ne vais pas payer ça, quoi. Ils seront jugés devant Dieu. Dieu ne va pas leur permettre d'arriver au paradis. Dès qu'ils vont arriver dans le pape, il va dire, voilà la voix de Satan. C'est là-bas qu'on va les recevoir. Vous avez suivi? Donc, ça c'est une chose que je voudrais vous dire. Je vous adore beaucoup. Je vous aime. Je veux jouer cette musique pour terminer avec vous. Et ça, ce n'est que du matin, t'as joué ça. Après ça, vous connectez chez la Twins. Elle incarne l'intégration nationale. Rendez-vous demain à 21h GMT. Se sont croisés la première fois. Je reconnais, j'en suis doublé. Sans moi, je suis resté à tes côtés. Timidement, les voiles. Mais jamais je ne pouvais imaginer qu'aujourd'hui on serait là. Toujours là. Toi et moi. Là. Là. Je suis laissé emmener tout simplement car je savais.
Merci, 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 merci. Ciao, ciao. À demain, 21h GMT.